pense que nous, du tiers-monde, nous avons de grosses responsabilités. Toutes les élites du tiers-monde, les anciens comme les jeunes, nous avons d'énormes responsabilités dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais je pense également que les Occidentaux aussi, nos partenaires occidentaux aussi, ont également des responsabilités énormes dans cet échec. Alors par conséquent, ceci, n'est-ce pas, ça va être une critique, ça va être entendu vraiment comme une critique, n'est-ce pas, générale. Mort le 25 janvier 2009 à Dakar, à l'âge de 98 ans, Momo Dia était un personnage emblématique de l'histoire du Sénégal. Artisan de l'indépendance, il accompagnera l'État du Sénégal dans ses années de décolonisation. Il fut le président du gouvernement de 1960 à 1962. La vie politique de Mamadou Dia, premier chef d'un exécutif sénégalais, bascule le 17 décembre 1962. Ce jour-là, Dia, président du Conseil des ministres, fait face à une fronde des députés qui, ralliés au président Senghor, veulent le renverser en adoptant une motion de censure. Dia fait investir l'Assemblée par l'armée pour empêcher ce vote. Les soldats rallieront Senghor qui fera arrêter son rival. Traduit devant la Haute Cour de justice pour tentative de coup d'État, il sera condamné en mai 1963 à une déportation perpétuelle à la prison de Kédougou, à 500 km de Dakar. Le numéro 2 du Sénégal indépendant ne recouvrera la liberté qu'en 1974, avant d'être gracié 2 ans plus tard. Mais l'homme ressortit de son séjour carcéral, très affaibli, il perdit même la vue. Momodou Dia développait sa vision du développement autogestionnaire basée sur les ressources nationales. Nous sommes partis d'un constat, d'échec des politiques de développement et de coopération de ces 3 décennies. Nous avons eu à examiner les raisons, les causes principales de cet échec. Nous avons considéré qu'il y en avait 2 principales. La première, une fausse conception du développement, une conception étriquée du développement qui le réduit à tout simplement sa dimension physique, c'est-à-dire la dimension purement et simplement économique. Alors que le développement, c'est bien plus que cela. Le développement, c'est aussi le social et c'est surtout aussi l'humain et le culturel, voire le religieux. Pensons donc que c'est faute d'avoir restitué au développement sa pluridimensionnalité qu'il y a eu échec. Alors, deuxième cause, c'est une question de stratégie. La stratégie du développement qui a prévalu pendant ces 3 décennies d'indépendance, c'est celle du développement par le sommet, à travers les appareils d'État. On a négligé l'élément principal du développement, l'objet et le sujet du développement, ce sont les populations. Pour essayer d'appliquer ces idéaux, Momodou Dia avait mis en place une fondation, la Fondation Paix et Développement, qui entre-temps a cessé d'exister. Il faut avoir des outils pour réaliser cet objectif. Les principaux outils auxquels nous avons pensé, c'est d'abord, évidemment, un centre de recherche, mais un centre de recherche action, structuré compte tenu de cette nouvelle conception, de cette conception globale du développement, de conception pluridimensionnelle du développement. Alors, ce centre comprendra par conséquent des unités de recherche sur le plan économique, mais aussi dans les autres domaines, domaine de la santé, domaine de l'éducation, domaine de la culture, et même domaine technologie, domaine aussi de l'environnement. C'est important, tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est parce que si le développement doit détruire l'environnement, ce ne serait pas un développement, c'est plutôt de l'anti-développement. Il y a aussi également d'autres domaines importants, il y a certains éléments qui sont des facteurs déterminants de développement dans le pays,
Je pense par exemple à la femme, qui doit être un facteur important de développement, qui ne l'est pas toujours, parce qu'il n'y a pas une politique cohérente et permanente et hardie de promotion de la femme. Momodou Dia mettait aussi la religion au cœur du développement de l'Afrique. C'est justement pour lutter contre l'intégrisme qui est le résultat, encore une fois, d'une mauvaise interprétation du message coranique et des vraies traditions, n'est-ce pas, machin, de l'islam, de la tradition mohammedienne. Bah, l'islam est absolument, c'est la religion de la tolérance. Si vous êtes musulman, je peux vous citer, vous connaissez le lakum dinukum waliyadin, c'est le Coran qui le dit. Religion, à nous, notre religion. Il n'y a pas, n'est-ce pas, cette formule, c'est là une formule lapidaire qui montre, qui exprime parfaitement la tolérance de l'islam. Je peux vous citer également un autre verset du Coran, la ikra fidin, pas de contrainte en religion. C'est le Coran qui le dit. Par conséquent, c'est parce que on parle d'intégrisme, mais c'est, si on parle d'intégrisme, c'est parce qu'on méconnaît totalement. Et s'il y a des intégristes musulmans, mais c'est parce qu'ils méconnaissent totalement la vraie doctrine de l'islam. Le problème, c'est par conséquent, justement, de faire de l'islam ce qu'il est, ce qu'il doit être, n'est-ce pas, un facteur d'évolution. Un facteur de rapprochement des peuples, un facteur de tolérance, facteur de dialogue, n'est-ce pas, sur le plan international, que l'on cesse, comme dans notre pays, de considérer que le fait, par exemple, d'être imam d'une mosquée doit dispenser d'avoir, ou chef religieux doit dispenser d'avoir un métier. Ceci est absolument contraire aussi à la tradition islamique véritable. Enfin, Momodou Dia reconnaissait l'échec de l'Afrique en matière de développement. Et sa vision de cet échec reste d'une grande actualité. Je pense que nous avons un problème grave dans ma chair en Afrique. Mais je pense que la cause principale, d'ailleurs, nous, de notre échec en Afrique, c'est une mauvaise utilisation, une mauvaise gestion, justement, des ressources que nous avons reçues. Il y a eu une aide qui est entrée à ma chair, une aide importante, mais cette aide-là a été dilapidée, mal utilisée. Ceci, c'est vrai pour le Sénégal, mais c'est vrai aussi pour tous les États, pour tous les autres États du continent. Alors donc, je ne veux pas du tout axer ma critique seulement sur ma chaîne, sur le Sénégal, mais c'est sur l'ensemble du continent. Moi, je mets en cause l'ensemble des politiques, n'est-ce pas, qui ont été menées en Afrique et à travers le monde entier. J'ai fait des propositions. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages. Je vous renvoie, par exemple, le plus important, c'est Dialogue des Nations. Dans cet ouvrage-là, justement, j'indique des solutions. Je ne me suis pas simplement contenté, n'est-ce pas, de constater des échecs, mais j'ai fait des propositions. Je rappelle que la principale, c'est évidemment l'intégration. C'est la raison pour laquelle nous étions battus à l'époque, Senghor et moi, contre la balkanisation de l'Afrique. Ainsi prend fin cette évocation du souvenir de Momodou Dia. Merci de votre attention. Au micro, Babou Diallo. Dali masaka momida tatinya kama ekoyo la yelena hey la dile maloya ayara bikanu gelema.